Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi. vidéo coloriage aujourd'hui. Ah, je suis morte, usée. Alors, coloriage, j'ai fait hier. Enfin, je l'ai commencé hier. J'ai continué un petit peu cet après-midi, mais ça, ce sera sur une autre vidéo. Mais là, je suis un peu usée parce que chouchou, comme il y a du soleil aujourd'hui, il fait beau, il fait pas froid. Et donc, chouchou lui a pris une zine, c'est ce qu'on dit dans le Nord. Hein. Il lui a pris l'idée de nettoyer la cour, la terrasse. Enfin, c'est une cour qu'on sert comme terrasse au Karcher, donc cet après-midi. Parce que nous, c'est du béton. C'est du béton brut, hein. C'est pas nous qui l'avons mis, hein. C'est l'ancienne locataire qui l'a fait. C'est l'ancienne locataire qui l'a fait, donc c'est fait à l'arrache en plus. Mais quand c'est l'hiver, et puis qu'il commence à pleuvoir beaucoup, à l'automne, à l'hiver, ça se remplit de mousse. La mousse bien verte, bien gluante, vous savez, le truc dégueu. Donc, on l'avait déjà fait il y a un mois, je crois. Mais là, bon, il y a un mois, on l'a fait en vitesse, hein, parce que bon, le cahier, hein, c'est pas pareil. Et là, on vient de la refaire, mais là, on vient de la refaire à fond. Ça nous a pris plus de 2 heures, ouais, 2 heures et demie. Faire le Karcher, c'est usant. Alors on se partage la cour, on se fait un morceau, moi, lui fait un morceau, après je refais un morceau, après il refait un morceau, après je refais un morceau. Mais bon, quand il fait un morceau de Karcher, moi je ramasse au raclo. Voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est aussi usant l'un que l'autre. Surtout quand on a un vieux raclot qui se barre toujours. Ah, qui se barre toujours du. Bon, Fifi, t'arrêtes de bouger. Qui se barre toujours du manche. C'est pratique. Voilà. Et là, pareil, Karcher sur le salon de jardin. Enfin, c'est une table avec les chaises. Mais bon, c'est le salon de jardin pas cher, là, en plastique. Donc, il est pourri, il est mort. Il n'est pas vieux, hein, il y a 2 ans, mais il est déjà mort. La table, elle est... On pourrait chanter les gondoles à Venise. Oui, mais oui, je sais que tu es là. Je ne parle pas de toi. Oh, mince alors. Donc là, demain, j'ai déjà mal à mon dos. J'ai beaucoup mal à mon dos en ce moment. Quand je suis assise dans le fauteuil, debout, couchée. Mais là, demain, je crois que je vais faire aïe, 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 aïe. Non, c'est pas mes chiens qui aboient, c'est les chiens du voisin. Enfin, c'est le chien de sa femme, parce que bon, ils habitent pas ensemble. Mais là, elle vient de déposer son chien, ils sont partis faire des courses ensemble. Et du coup, elle a déposé son chien, mais quand il est là, il aboie, il aboie, il aboie, il aboie, il aboie. Il aboie jusqu'au temps qu'elle revienne. Mais bon. Et arrête de montrer tes fesses à la télé. Donc voilà. Alors aujourd'hui. Bon, t'arrêtes de gigoter. Oh. Oui, c'est ça. Couche-toi. aujourd'hui, coloriage, je disais donc. Extrait du livre Les grands carrés de Disney, boule de poil. Voilà. Donc, c'est le premier que je vous avais présenté. Elle est énervée aujourd'hui, mais c'est pas possible. Ouais, extrait boule de poil. Et j'ai choisi Tic et Tac. Voilà. Donc, j'ai fait Tic et Tac. Enfin, j'ai commencé Tic et Tac. Bon. Qui la veut? Non, hein, maman, elle te donne pas. Hein. Ah non, maman, elle te donne pas. Non, tu restes avec maman. Même si tu n'es pas sage, tu restes avec maman.
Ouais, donc j'ai commencé tic-tac. Alors là, j'ai fait avec mes crayons Castel Art Supply. Ou bien je les sors de temps en temps. Et, ah! Et vilaine! Elle m'a mordu! Non, 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 t'as pas de câlin. T'as mordu maman. Je sais que ça veut dire je t'aime quand tu mords. En plus, c'est vrai, hein, quand ils mordent comme ça veut dire qu'ils nous aiment. Mais bon, ça pique, hein. Est-ce que je te mords, moi? Non. Oui, donc j'ai fait avec mes crayons Castel Art Supply, avec la version ceux qui sont dans la trousse. Voilà, il y a une version qui est vendue en boîte de métal et il y a une version qui est vendue en trousse de crayon. Donc c'est cette version-là. Je vous remettrai le lien également quelque part au moment de la vidéo quand je vous les présente, ces crayons-là. Donc j'ai utilisé ça et j'ai utilisé mon encre or Windsor et Newton. Voilà. Alors, il me remordre. Parce qu'il y a des petites arabesques dedans, donc ça, je les ai fait en or. Voilà. Et vous verrez la suite sur une autre vidéo. Donc là, j'ai commencé cet après-midi. Donc, je ferai la vidéo peut-être demain. Je verrai. Hein? Oui? Ça y est, t'es calmée? Grosse mémère. Ah, je ne vous ai pas raconté. Je suis allée au Veto hier, non, avant-hier, avec Jerry, pour lui faire couper les ongles. Parce que lui, c'est toute une histoire pour lui faire couper les ongles. Il a une sainte horreur de ça. Je suis obligée d'aller au Veto. Au toilettage, c'est pas la peine. Donc, je suis allée au Veto. Mais là, c'est un nouveau Veto chez qui je suis allée. Et j'avais été avec Pacha il y a 3-4 jours avant. Donc, ça s'était super bien passé. Et j'avais eu une autre Veto. Mais bon, ça s'était bien, bien passé. Donc, j'y retourne donc avec Jerry. Puisque, comme je dis, avec lui, c'est compliqué. Donc, il valait mieux que j'ai deux rendez-vous pour que ça se passe au calme. Enfin, au calme, façon de parler. Et donc, bon, elle lui coupe les ongles comme elle a pu. Hein, parce que lui, il saute dans tous les coins quand on lui fait les ongles. Et puis, bon, voilà. Elle me fait, oh, ben, je vais profiter, je vais lui écouter le cœur. Mais comme il s'était fort énervé, je dis, bon, elle lui coupe peut-être le cœur pour voir si ça va, hein. C'est normal. Bon, d'accord. Elle écoute le cœur et tout. Bon, alors, en plus, sa petite fiche, aujourd'hui, il coupe d'ongles et tout. Comme quoi, elle a écouté le cœur et que ça allait. Bon, comme ils font d'habitude, ils font une fiche. D'abord, il y avait le chat du cabinet qui était dans le cabinet de soins. Et moi, Jerry aime bien les chats. Mais il ne connaît pas ce chat-là. Jerry reste avec moi. Je dis, c'est pas Fifi, donc reste avec maman, on ne sait pas. Hein. Donc, Jerry, il reste avec moi. Et au moment où je prends mon sac par terre, sans le faire exprès, bon, la laisse, elle a un petit peu avancé. Le chat, il lui est sauté à la tête. Il a sauté comme ça sur la tête à Jerry. J'ai fait un bond, j'ai attrapé Jerry. Je vous jure, Jerry, il était comme ça, les pattes dans le vide. Il y a quoi le chat là? La vétérinaire, elle n'a pas bougé. Pas d'excuses, pas un mot, rien. Jerry, comme ça. Alors là, le cœur, c'est encore pire. Il sortait déjà d'une séance de coupage d'ongles assez traumatisante pour lui, parce que c'est traumatisant pour lui, la coupe des ongles. J'ai le chat qui lui saute en pleine gueule. Heureusement, il ne l'a pas griffé, il ne l'a pas chopé aux yeux ni rien, mais il l'a chopé en pleine tête, hein.
Bon, elle dit rien, je m'en vais. J'étais fâchée, mais je m'en vais au secrétariat pour payer. Donc, la coupe d'ongles, c'est 9 euros. Je prépare ma carte bleue pour payer 9 euros. La secrétaire me dit 35 euros. Je dis, pourquoi 35 euros? Elle fait, ben, une consultation. Je fais, quelle consultation? Il n'y a pas de consultation. Je suis venue couper les ongles. Et je dis, moi, il n'y a pas de consultation. Alors, elle est partie voir la veto. Et elle revient, elle me fait, ben, si, elle dit, il y a une consultation parce qu'elle lui a écouté le cœur. J'ai dit, oui, mais moi, j'ai pas demandé à ce qu'elle lui écoute le cœur. Mais en plus, moi, j'étais énervée, j'étais encore en train de penser au chat. De toute façon, moi, j'ai pas d'argent pour vous payer 35 euros. J'ai pas prévu ça. Hein. Elle aurait pu le dire, de toute façon. Et la secrétaire, elle me dit, ah, mais de toute façon, elle le dit jamais au client. Je dis, ben alors, elle fait des soins et elle dit rien aux patients, enfin aux clients. Je dis donc, je peux sortir d'ici avec 1000 euros, elle dit rien. Donc, mais j'étais tellement énervée, bon, puis j'ai dit, j'avais plus envie de faire un scandale, parce que de toute façon, le scandale, je l'ai fait sur Internet, après, quand je suis rentrée chez moi. Je dis, moi, de toute façon, je vous paye pas en une fois. La secrétaire a fait ah ben, oui mais je bah oui mais non moi je vous paye pas en une fois c'est à prendre ou à laisser bon je l'ai payé en deux fois alors encore je lui fais je vous paye en deux fois mais une deuxième fois ce sera le mois prochain c'est dans un mois ah oui mais bah oui mais non donc bon elle n'a pas insisté, donc bon, j'ai quand même payé mes 35 euros. Bon, après, c'est vrai que j'ai regretté parce que j'aurais dû quand même taper le scandale et ne pas les payer, les 35 euros. Mais j'étais tellement choquée avec ce qui s'était passé avec le chat que mon cerveau il était plus là. J'étais complètement Mon cerveau était plus là. Mon cerveau était avec Jerry. J'avais tellement eu peur pour lui que voilà. Donc, ben, je suis rentrée à la maison. Un joli avis sur Google. Joli avis, ben, sur mon mur. Et un joli avis sur leur page à eux. Voilà. Et là, pour l'instant, ils ne l'ont pas effacé, mais s'ils l'effacent, je le remettrai. S'ils le réeffacent, je remettrai. Voilà. Même sur Google, ils l'ont pas effacé. Bon, donc ils n'ont pas dû le voir encore, mais je m'en fous. J'effacerai, je remettrai, je veux dire. Hein. Et là, en plus, je vais envoyer un email. Je crois qu'ils ont comment on appelle ça? Ben, comme les médecins, ils ont un ordre des médecins. Je crois qu'ils en ont un pour les vétérinaires. Donc là, je suis en train de regarder pour trouver l'email pour ça. Et je vais envoyer un email pour les prévenir. Voilà. Comme quoi, ben, ils se font de l'argent sans prévenir les clients. Ils font des soins sans prévenir les clients. Voilà. Mais là, bon, ils m'ont vu une fois, enfin deux fois, c'était la deuxième. Donc on avait changé de veto, mais bon, c'est bon. Terminé, au revoir, salut. Donc, s'il y en a qui sont de mon coin, hein, puisque moi je suis de Kévrochain, hein, dans le nord, près de Valenciennes, bah, c'est la clinique vétérinaire Maïvette de Saint-Saulve. Voilà. Voilà, tant qu'à faire, je vais leur refaire un petit coup de pub ici. Mais bon, je regrette d'avoir payé quand même. Mais bon, il était trop tard. Mais je vous dis, j'étais vraiment tellement choquée pour Jerry avec le chat. Mais le pire, c'est après, j'ai capté, c'est quand je suis rentrée chez moi, j'ai capté une phrase que la secrétaire m'a dit, que le chat était là
Parce que aujourd'hui, enfin ce jour-là, ils n'avaient pas de consultation. Donc quand je suis rentrée chez moi, je dis, mais pourquoi elle m'a dit? Elle m'a dit, alors le chat était là parce que ce jour-là, il n'avait pas de consultation. Donc ils ont trouvé la bonne poire. Ben, il n'y a pas de consultation aujourd'hui au cabinet. Bon, ben, on va faire racler Madame Lapaille. Voilà. Il y a pas de. On va pas faire une journée avec 9 euros. Hein. On va faire une journée. Bon, on va racler 35 euros au moins un client. Eh bien, ça a été moi. Voilà. Bon, mais bon, ils ne me reverront plus. Donc voilà, bah, c'était ma petite histoire du jour. Bon, il m'arrive toujours des trucs, moi, mais bon. Allez, je vous laisse sur cette belle histoire. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous laisser visionner cette petite vidéo de coloriage, tout en musique, en douceur. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt! Bisous, bisous!